Il y a maintenant quelques semaines, nous avons fait un remodeling de ce magasin. Nous sommes passés avec Toshiba et Solum pour les étiquettes électroniques, une solution globale, clé en main, avec une installation faite par Toshiba, un suivi par Solum de tout ce qui est positionnement d'étiquettes. Ce qui nous a fait choisir Solum, contrairement à notre ancien prestataire, c'est d'abord une étiquette esthétiquement bien plus jolie. Mes clients ont été très satisfaits de la visibilité des prix. Les étiquettes de Solum ont un avantage qui est énorme par rapport à toutes les autres sur le marché, c'est qu'elles ont un fameux système avec deux petits boutons en dessous qui nous permettent de pouvoir afficher beaucoup d'informations et de nous donner beaucoup d'informations sur chaque produit. Par exemple, le stock de ce produit, les quantités vendues de ce produit. Et ça, ça nous permet de passer bien moins de temps derrière l'ordinateur, d'avoir l'information en direct sur l'étiquette et donc être capable de commander les produits bien plus facilement. Alors l'intégration informatique s'est passée en étroite collaboration entre les gens de chez Toshiba et les gens de chez Carrefour. Les deux équipes ont travaillé main dans la main et ça s'est passé à merveille. On a eu une intégration vraiment extrêmement facile. Une nouvelle fois, ce projet a permis à Toshiba de prouver sa capacité à intégrer une solution tierce dans le système d'information d'un client, à savoir le groupe Carrefour. C'est-à-dire, nous avons intégré l'application Meti avec la solution Solum. Nous avons créé et réalisé le design des templates des étiquettes correspondant aux besoins du groupe Carrefour. Et enfin, nous avons aussi fait le mapping du magasin pour installer au bon endroit les antennes radio permettant de faire communiquer les étiquettes avec le serveur Solum Toshiba. À quoi sert-il le PDA? Il a deux fonctions, de permettre au magasin de réaliser son réapprovisionnement, ses commandes des articles vers les fournisseurs. Il permet d'associer une étiquette Solum à un code barre du produit. Nous avons fermé ce magasin pendant 17 jours. Solum et Toshiba devaient être à l'heure et devaient être opérationnels au bout de ces 17 jours. Nous n'avions pas le droit à l'erreur. Ça a été le cas. Nous avons pu ouvrir notre magasin en temps et en heure grâce à Toshiba et Solum. Si j'ai un conseil à donner, c'est évidemment étiquette électronique et évidemment Solum Toshiba, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution sur le marché.